C'était le 12 octobre 2022 que s'est tenu le lancement du projet Letter Dei Saint-Charity à Massina dans la salle de conférence des conseils des cercles de Massina. Je suis honoré d'être ici avec vous ce matin pour présider à la cérémonie de lancement officiel du projet d'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes et aux communautés d'accueil vulnérables dans la région de Ségou en général et dans les cercles de Massina en particulier. Elles sont particulièrement ciblées car elles sont vulnérables, parce que tout simplement elles sont des personnes déplacées et leurs hôtes. Financé par Letter Dei Saint-Charity ISA, j'ai souscrit avec conviction à ce projet dont l'ambition est d'aider les personnes déplacées et les ménages hôtes vulnérables touchés par la crise au Mali, en mettant l'accent sur les femmes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes handicapées. Il s'agit de partager avec les autorités ainsi que les organisations de la société civile, les services techniques, les représentants des bénéficiaires, le démarrage officiel des opérations de distribution kits alimentaires. L'objectif, c'est d'aider ces personnes déplacées internes. C'est des personnes qui ont quitté leur propre localité à l'intérieur de leur propre pays pour s'installer quelque part. Donc à cause de la crise multiforme qui touche notre pays, le Mali, depuis 2012 à nos jours. Le fait d'apporter quelque chose, ce qu'on va apporter est très consistant, parce qu'on va apporter les vivres, y compris même les suppléments nutritionnels d'une valeur de 141 millions de francs. Initié par le programme d'urgence de Care Mali, financé par Letter Dei Saint-Charity, le projet a pour objectif principal d'aider les personnes déplacées et les ménages hôtes vulnérables touchés par la crise au Mali, en mettant l'accent sur les femmes, les enfants de moins de 5 ans et les personnes handicapées à répondre à leurs besoins fondamentaux dans la région de Ségou, plus précisément dans les cercles de Massina et Blanc.